précisément dans le cas de Washington. Alors, puis, maman Marthe est née. Maman Marthe est née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais donc, t'es qu'un gnosso. Puis, là, il y a un gnosso congolais. On est dit, on a eu à ça, il s'est ajouté. Bon, la Corée, on a eu, 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 on Pourquoi pas bon de la yo? Parce que bio, bio Africa Union, et toi t'es là. Tout à coup, on n'a pas si moi, sinon, vous voyez pas, sinon, vous voyez rien. Mais quand on a l'air de la yo, on a l'air de la yo, mboka. Ya fraise, ya yo. Bio na bio. Bio na bio. Si on a maman bayo, pour la mon kanja isali. Parce que nous sommes moi et ali. Et kouba bani wa. Parce que nous sommes moi et ali. Ya kouba kanja isali. Et mboto ya mbise la. Parce que nous sommes moi et ali. Ya mboko mboto et ali. Kala ngando de la la. Hello. Lupi na biba ila biloko ya. Ba ina ka biloko etazini. Oni koko mama boina bona bo jeunesse. Mona etazini. Tata yo kikole la nabino. Atinde libino. Mama Samira. Ndenge ozala kan etazini okole lokola mutwaza na mombele. Lokola mutwaza na ngaba. Merci mon bi. Wow! Is there mbus? Bana etazini. Kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafuta ya mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansor mazali. Eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga mabete, pona kozwa bilo kwa detay. Yuka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. L'actualité va tourner autour de la fiscalité, autour de l'argent de la République, autour de la moralité publique. Aujourd'hui, on en parle. Je reçois Maître Oumba, qui est juriste. Et aujourd'hui, je ne le reçois pas en tant qu'avocat, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un citoyen indigné d'un certain comportement, de certaines politiques ou de certains politiques. Et on va essayer un peu de mettre à la lumière tout ce qui a été fait dans le temps. Et tout ce qui va se faire maintenant et projeter l'avenir. Maître Juvenal, comment allez-vous? Oh, je vais très bien, Christian. Merci beaucoup. Alors, vous parlez anglais, vous parlez français? Oui, je suis anglophone et francophone. Très bien. Nous allons parler de... Simplement, oui. Quelle impression avez-vous de la gestion de l'argent dans ce pays par rapport aux autres où tu as fait tes études, où tu as vécu? C'est quoi la différence? La question est simple, mais en même temps complexe, il faut le dire. Parce que la gestion de la chose publique est une, a un caractère sacré à travers le monde. Et je pense que la caractéristique des grands pays, c'est que l'argent de l'État, c'est, comment dire ça, c'est pour les chrétiens ce que représente la Jérusalem, les lieux sacrés. La banque centrale d'un pays, enfin l'organe de gestion monétaire d'un pays, c'est le saint des saints en matière de finances publiques. Et donc, quand on regarde la chaîne de dépenses, quand on regarde même on suit dans les médias la manière dont les rapports sur les finances, la gestion des finances publiques établie par l'inspection qui fait ce travail, j'en tire la conclusion d'un besoin profond de changement.
mais pas de changement simple. Je veux parler du mental. J'ai déjà suivi beaucoup d'émissions ici à Congo Buzz qui parlent de la mentalité financière. Le bien de l'État, on ne dira pas suffisamment, on ne dira pas assez. L'État, c'est un patrimoine commun. Alors, quand vous visitez d'autres pays, quand vous voyez la manière dont l'Occident s'occupe de certains politiciens pour le moindre centime qui n'est pas justifié. Il y a des pays, je vous rappelle, en Scandinavie, je n'ai pas été là-bas, mais je me cultive, je n'ai pas encore eu l'occasion. Comme la Suède, par exemple, la Suisse. Où vous avez des mandataires publics qui doivent payer de leur poche le déplacement. Au nom du principe que tous les citoyens sont égaux, ces mandataires de l'État prennent le bus comme tout le monde. Mais simplement que sont quand ils sont en mission de service, ils ont le droit de se faire rembourser avec pièces justificatives. Vous imaginez, vous montez, c'est un peu comme imaginons que on prendrait un bus avec un ministre des Transports congolais qui exige que dans le bus Transco, déjà que l'idée elle-même est inimaginable ici en Afrique et particulièrement au Congo. Alors je vous donne cette image pour essayer de comprendre la philosophie de ces gens. Vous prenez un bus Transco ici à Kinshasa, vous exigez du chauffeur le bus, enfin le ticket, et une fois que vous avez votre ticket, vous allez, au bout d'un mois, d'un exercice mensuel, demander que la somme de vos transports, de vos tickets de transport vous soit rétrocédée. Alors ça, on parle d'un membre du gouvernement. Et je ne parle pas d'un gouvernement provincial, je parle d'un gouvernement central. Alors imaginons pour les provinciaux. Imaginons les cartes de crédit chez eux-mêmes quand ils parlent avec des gens qui n'ont rien à voir avec le travail. Vous payez de votre poche. De votre poche. Oui. Mais est-ce que vous êtes sidéré d'entendre 15 millions de dollars par-ci, 200 millions de dollars par-là, 80 millions par-là. Il y a de quoi tomber évanoui. Il y a de quoi vivre une syncope. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire dans un pays. Je ne pense même pas que la clameur publique que l'on vit actuelle soit suffisante. Normalement, ce n'est pas suffisant. On ne devrait même pas dire ça. Et j'ai même l'impression qu'à force de communiquer, on a l'impression de vulgariser un peu la chose. On a banalisé, on a normalisé ça. C'est seulement 200 millions. Quelqu'un d'autre m'a dit même, il y a 1 million, bon, tout m'a dit 7 millions. Voilà. Non, voilà. Donc, dans la criminologie financière, on relativise ce phénomène. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, puisqu'il y en a qui y atteignent des détournements de 200 millions de dollars, c'est comme vous l'avez dit, 1 million de dollars, qu'est-ce que ça représente? Donc, on ne martèle pas suffisamment sur le fait que 10 dollars qui disparaissent de la caisse. Je suis également financier. Je sais ce que ça veut dire que le caractère sacré des écritures en comptabilité. Quand vous n'arrivez pas à faire un équilibre entre le solde créditeur et le solde débiteur, l'excédent ou le déficit doit être justifié. Vous ne pouvez pas, entre l'actif et le passif, avoir un décalage. Si vous avez un décalage, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce que il y a vous pensez une que c'est géré, de la façon qui pousse un pays à se développer, ou c'est géré de la façon de ramener le pays dans les enfers, dans les abîmes? Absolument pas. Alors, vous avez dans votre parcours de juriste, dans votre parcours de financier, dans votre parcours de fiscaliste, vous avez certainement entendu la gestion des premiers ministres. Oui. Lequel vous a le plus sidéré? Lequel vous a le plus offusqué? Par sa nonchalance, par son impuissance, par son incapacité, par sa léthargie? Lequel vous a le plus sidéré? Je dois dire, que je ne vais pas citer son nom, mais celui qui était en fonction à partir de 2012. Nous le connaissons tous. C'est Matata Ponyo. Oui, vous l'avez cité. Oui. Cet homme m'a particulièrement marqué. Okay. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à cette période qu'il est devenu Premier ministre, mais je pense que j'ai pris le temps
de regarder, d'observer cet homme de plus près. Essayer de voir qu'est-ce qu'il était exactement. Je ne vais pas dire de près pour dire physiquement, mais en tout bon analyste, j'ai voulu comprendre pourquoi cet homme était ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Et donc, avec le temps, j'ai commencé à observer, à essayer de tirer mes propres analyses, essayer de comprendre depuis le moment où il avait été directeur général du BCECO. À cette époque, il faut comprendre que le BCECO était l'agence d'exécution de la Banque mondiale. On était à une époque où les institutions de Bretton Woods avaient du mal à accorder le moindre crédit à la gestion des finances publiques de notre pays. C'était encore le cas jusqu'il y a peu, jusqu'à ce que, avec l'avènement de ce que nous cherchons, l'état de droit aujourd'hui, donc l'idéal que nous, après quoi nous courons, nous essayons tant soit peu de nettoyer plus d'une quarantaine d'années de catastrophes financières. Donc il y a cette période et finalement le monsieur devient ministre des Finances, de là où je travaillais. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom de ce service à une époque. C'est bon, on peut passer. Oui. J'ai eu l'occasion de travailler dans un des services de l'État et donc pendant 2 ans, j'ai travaillé comme chargé de la coopération dans ce service-là. Et pendant ce temps, j'ai une fois, un matin, je dois le dire à titre d'anecdote, j'arrivais souvent à mon bureau vers 7h15. Je découvre sur le couloir un monsieur qui n'avait que faire du protocole. Il est entré et puis puisque mon bureau donnait directement sur le couloir, j'étais dans l'antichambre du directeur général de cette structure-là. Et donc il fallait presque passer par ma porte pour atteindre le bureau de l'autorité pour qui je travaillais. Et donc, j'ai vu un homme qui, bon, de taille presque similaire au vôtre, mais avec un air qui disait, je ne vous considère pas. Oui. Ah ben, c'est moi le boss. Voilà. Donc, faites le passage. Alors, bon, vous savez, j'ai remarqué que dans les sociétés africaines, l'autorité politique s'accompagne généralement d'une certaine arrogance. Oui. Une certaine incapacité à respecter le protocole, la bienséance. Oui. Généralement, un chef africain, c'est un chef c'est hors la loi. Qui s'habille oui. de plus de sa qualité que s'habille de l'esprit de gérer. Parce que quand on devient chef, le premier réflexe, c'est que d'ailleurs tout le monde autour de vous, vous êtes d'ailleurs à devenir cet homme ignoble. C'est-à-dire autour de vous, les gens vous appellent excellence, les gens changent de langage. Je ne sais pas comment on peut être excellence sur un peuple de 80 millions de miséreux. Moi, ça me dépasse. Je sais pas. Vous êtes devant un Joe Biden qui est président des États-Unis, de la première puissance au monde, l'appelle excellence, et vous êtes en RDC. Du monde, hein. Oui. Et on vous appelle excellence dans un pays comme ça. Oui. Alors, où il n'y a aucune excellence. Voilà, voilà. Bon, il y en a qui aiment ces titres, mais moi, je ne suis pas très porté par ce genre de choses. Je suis alors là, vous le voyez, vous voyez cet homme. Je vois cet homme arriver. Bon, monsieur, vous me conduisez vers votre DG. Simplement comme ça. J'en avais entendu parler parce que moi, j'étais, il faut le dire, à cette époque, nous sommes en 2011, j'étais à l'extérieur du pays, je suis revenu 2 mois avant cet événement, nous sommes en novembre 2011, donc j'en avais entendu parler de loin. Alors quand je le vois, bon, j'ai été sidéré, je l'ai amené là où il fallait être, ils ont eu une conversation qui m'a été rapportée après comme étant très peu courtoise, et après... nous avions déjà quelques difficultés des relations avec lui, parce que ce service a beaucoup souffert de cette gestion au niveau des finances, parce qu'il n'était encore que ministre des Finances, il faut le dire à l'époque. Oui, à ce moment-là. Alors finalement, on passe en l'année 2012, il y a le feu à Alphonse Kohia Diallo, qui perd son âme, qui devient un formateur du gouvernement.
Donc, il faille maintenant, vous savez comment c'était sous le régime de sénateur à vie, c'était la guerre de la cour pour accéder à certaines fonctions politiques. Mais particulièrement quand il s'agissait de désigner un premier ministre, ce n'était pas chose facile. Et donc finalement, nous apprenons qu'il y a cet accident à Kavumu qui emporte le feu, comment il s'appelle déjà, Katumba Mwake, et lui qui est aussi à l'intérieur. Alors, la première spectaculaire parce que voilà. C'est un crash. Alors c'est ce qui est intéressant, c'est que à cette époque, j'ai lu et observé. J'étais revenu dans ma tête avec un esprit un peu anglo-saxon. C'est-à-dire, je ne regardais pas tellement ce que c'était l'autorité politique. Pour moi, c'était des gens qui étaient au service de la nation. J'étais allé faire des études à l'extérieur. J'étais ici, c'est vrai, mais parti faire des études à l'extérieur. Ce temps-là m'a un peu changé la tête. Alors, je ne voyais plus le Congo comme on le voit que d'ici. Pour moi, le Congo, j'ai mis à profit ce temps pour voir le Congo comme sur une carte et dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce pays comme malaise pour que l'on n'arrive pas à décoller. Alors, pour moi, le problème, en regardant l'expérience des autres, surtout de... Moi, j'ai toujours été passionné du monde anglo-saxon, excusez-moi. Je n'ai jamais cru au système... tant que nous allons rester dans le système... francophone, franco-germanique, on ne verra jamais le soleil. Ça, j'ai toujours été clair là-dessus. Alors, de cette transition avec l'informateur, finalement, il revient 2 semaines après. Nous apprenons dans la presse qu'il est guéri 2 semaines après d'un traumatisme crânien tel qu'on l'a vu. Et de là, bouf. Je crois qu'une bonne partie de sa convalescence, il a passé premier ministre. Voilà. Alors, le jour où cette nomination est faite, je faisais une marche de santé. Je me souviens que j'étais sur l'avenue 24 novembre. Et c'est d'une télévision dans les terrasses de rue. Pendant que je faisais ma marche, je m'arrête quelque part. C'est le communiqué. Il était 20h. Alors, quand j'ai entendu ce nom, je dois dire que je n'étais pas à l'aise. Connaissant et ayant vu l'homme de loin, je sentais bien que ça n'allait pas marcher dans ce pays. Parce qu'il y a quelque chose, je ne parle pas que de l'homme, je parle du système. La prédation financière, c'est comme une maladie. Mais une maladie qui se manifeste selon plusieurs symptômes, selon le type de politicien que l'on a. Dans nos pays africains, et particulièrement en RDC, vous verrez que sous le régime Mobutu, la prédation a été une prédation, on va dire, arrogante, c'est-à-dire dans le geste. Mais en même temps, c'était habillé par une sorte de majesté que l'on accordait au président fondateur. Il y avait un ordre relatif. On entre dans la prédation sous le président Kabila Le Pen. Là, c'est des gens qui ont fait de la prédation financière, mais sans comprendre ce que ça voulait dire un État. Ils ont conduit le pays avec tous les instincts nécessaires dans la gestion d'un pays, mais un pays dans l'état bananier, quoi, dans son état le plus rudimentaire. Alors sous Joseph Kabila, ce que j'ai remarqué, c'est que les mêmes qui étaient comme en second plan sous Kabila Le Pen ont émergé. Bien sûr, la première génération de ceux qui nous avons connu ça, ceux qui étaient avec les collaborateurs directs de Kabila Le Pen, ont été pratiquement écartés. Et donc, arrivée cette nouvelle génération, les symptômes que moi j'ai remarqués, c'était qu'on touchait absolument à tout. Je comprends que l'État n'avait pratiquement plus rien. Alors, il fallait toucher à même des secteurs qui étaient supposés... préserver ne fût-ce que l'image du pays. Et donc, les symptômes que je remarque également sous l'ère Matata, c'est ça. C'est-à-dire, on fait un peu le malin. Mais il est technocrate, il est un directeur de cabinet technocrate, il a des conseillers technocrates, parce qu'il faut dire que, bon, ce qu'on nous a dit,
Monsieur le Sélé Yalagouli, un technocrate. Monsieur Patrice Kitebi, un technocrate. Monsieur Wansisi Wanzanga, un techno. Ben, bref, tout son entourage, que des technocrates, que des gens qui ont fait des hautes études économiques. Très bien. Alors, les finances aussi. Très bien. Alors, moi, je pose la question, où est le développement technocrate? Si les hommes sont des technocrates, alors le développement aussi aurait dû être technocrate. Mais qu'est-ce que vous reprochez dans sa gestion, par exemple, en tant que Premier ministre? Est-ce que vous avez l'impression que toutes les structures qui étaient sous sa tutelle étaient finalement paralysées par son emprise? Je parle de la dette publique, je parle de marché public, je parle de toutes les coopérations qui pouvaient y arriver. Est-ce que vous pensez qu'il était... Il prenait tout pour lui et avec lui. Christian, je ne sais même pas où commencer. Parce que si aujourd'hui l'homme est dans la situation judiciaire dans laquelle il est, c'est essentiellement sur le point que vous avez cité sur les marchés publics. Oui, mais les autres ont dit que ce n'est pas ça. Hein, l'Église catholique, quelques clergés ont estimé que c'est une course, c'est une attaque parce qu'il est potentiellement candidat présidentiel ou présidentiable. Et tout ça. Oui, comme tout celui qu'on cherche à poursuivre, il y a toujours une ambition politique derrière qui se cache. C'est ça l'ironie de la classe politique chez nous. Tout individu que l'on cherche à interpeller a toujours un alibi qu'il veut présenter sous forme politique pour essayer d'annihiler l'action judiciaire. Ça, c'est connu. C'est des bonnes guerres pour eux. Il faut le dire. D'ailleurs, les gens s'en plaignent, mais qui ne ferait pas cela? Alors, par exemple, dans le marché public ou dans la dette intérieure, quels sont les mots de Matata Tamponi? Oh, mais prenons déjà le cas de la passation de marché. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la responsabilité que l'on cherche à dégager, que la justice cherche à dégager d'un individu qui a tenu. Il faut dire qu'il connaissait ce domaine, il maîtrisait ce domaine déjà depuis le BCECO, parce que je pense que le BCECO, c'était l'organe par excellence de la passation de marché. Il faut dire que notre loi aussi n'a pas aidé. Hein. Notre loi sur les marchés publics parlait encore des adjudications, était très obsolète, datée de 1969, n'était plus adaptée au système actuel, n'est-ce pas, pour passer les marchés. Vous avez notre loi sur la passation de marché à deux grandes parties. On passe les marchés, mais en même temps, on fait de la délégation de services publics. Oh. Alors, dans les deux cas, on n'avait pas la capacité de prendre notre loi et de l'adapter. Il a fallu que, pour que l'aide internationale nous arrive, que l'on utilise un autre système. Voilà pourquoi la Banque mondiale avait créé cette sorte d'agence de BCECO. Alors, étant directeur général, il avait cette maîtrise. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème exactement? C'est que la subtilité que son système de gestion a atteint, cette prédation a échappé à beaucoup des Congolais. Parce que le technocrate, oui, les gens ont raison. Je ne suis pas contre le fait qu'il s'en vante, mais je suis contre le fait qu'il ait dirigé pour faire de la prédation financière. Quand on est, vous savez qu'on est premier ministre ou on est directeur de cabinet d'un premier ministre, et que vous diligentez, j'ai vu des audits être faits presque sans aucun motif. Je connais un service pour lequel audit avait été diligenté à l'époque. Tout au début, on disait oui, il y a surnombre, il y a trop de monde ici, parce ils avaient engagé, je crois, 170 personnes. On dit, ben, très bien, une centaine de personnes à la porte. Mais une année après, ce licenciement qui, jusqu'à aujourd'hui, reste un des licenciements les plus abusifs, mais j'ai l'impression que ça n'a jamais été dit. Je laisse ceux qui en savent quelque chose venir en parler ici. Mais après ça, on s'est rendu compte que les 70 personnes avaient été majorées. On est passé de 70 à presque le même nombre qu'il y avait. Donc, ce qu'on a, constaté, c'est qu'on a juste remplacé les employés qui étaient là par des gens qui étaient de l'obédience
Mais est-ce que c'est lui qui était là? Lui, il n'était pas Bessico, c'était pas lui qui était les DG là-bas, il n'a jamais été DG, il était ministre des Finances, et puis après Premier ministre, vous n'allez pas demander au Premier ministre ce qui se passe dans une structure. Oui, vu de cet angle-là, ce serait difficile à dire. Mais si le Congo était véritablement ce que vous dites, ça veut dire que les services ou les services publics qui sont sous la tutelle des personnalités politiques ne recevaient aucune influence d'elles, je pense que le pays serait beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Selon une certaine information que nous avons, oui. On nous dit que, par exemple, sur la question de la dette intérieure, sur l'affaire de l'indemnisation des aériennisés, de ces étrangers, oui. Monsieur Matata, quand il arrive ministre des Finances en 2010, il trouve... Oui. C'est ça, en 2010 Premier ministre en 2012. Non, ministre des Finances. Des Finances en 2010. Il trouve un monsieur qu'on a appelé monsieur Lungila, un certain Lungila, qui était DG. Mmh. Lorsque Matata arrive, Matata prouve sa technocratie en disant que ce monsieur était fautif parce qu'il avait octroyé des paiements sans soubassement, de l'ordre de 10 millions de dollars, quelque chose dans ce sens-là. Et quand on regarde le fait, effectivement, Matata avait raison. Ce monsieur devait partir. Mais qu'est-ce qui va être fait? Monsieur Matata Tampogno va alors rappeler quelqu'un qui est déjà à la retraite. Ça va être monsieur Mawaka, je peux me tromper du nom. Il va le rappeler 8 jours seulement après la retraite, la mise en retraite de ce monsieur. Monsieur Matata le rappelle. La grande question que les gens se posent, je l'ai dit dans Critique Info, c'est que pourquoi seulement lui? Pourquoi on appelle un monsieur qui est déjà à la retraite alors qu'il y a d'autres DG qui sont là? Alors, selon les analystes, ils disent, écoute, parce que monsieur n'avait pas confiance. Ce monsieur, il avait déjà des bonnes relations quand il était à la banque. Oui. Il aurait travaillé pour plusieurs personnes. Il était directeur de cabinet, même, je crois, Nicolas Cazadis, si je ne me trompe pas, hein, un truc dans ce sens-là. Mm-hmm. Il va le rappeler. Mais depuis que ce monsieur est rentré à la dette, à cette structure-là, de la DGDP, je crois, depuis qu'il est rentré dans cette structure, alors c'est quasiment l'abîme maintenant, les abîmes. Et c'est des paiements sans soubassement. C'est un mandataire qui peut porter sur lui-même 50, 30, 40 bénéficiaires. Mmh. Alors, il y aura des signatures qu'on n'aura pas retracées. Mmh. Et hier, quand on pose la question, l'interrogatoire à M. Matata, selon ce qu'on nous rapporte, il est incapable de dire comment ça s'est réellement passé. Alors, la grande question qu'on se pose, est-ce que c'est de la même manière que les sociétés ou les structures qui étaient sous son leadership étaient-ils contrôlées? Parce que au paiement, par exemple, il met quelqu'un, c'est son proche, c'est Lamiel, monsieur, un homme qu'on appelle Lamiel, oui. Et au niveau du trésor, c'est encore quelqu'un de lui. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il verrouillait tous les circuits par ces hommes? Oui, mais observez ce que moi je considère comme ses bras droits. L'ancien ministre des Finances qui a été pendant longtemps son directeur de cabinet. Mais est-ce qu'il n'était pas DG de DGI? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'était pas la DGI? Bien sûr, mais après la primature, il se fait propulser directeur général à la direction générale des impôts. Ah, d'accord. Et après, il fera son comeback via le gouvernement Ilukamba. Patrick Kitebi se retrouvera depuis directeur général du FPI. Ah, depuis très longtemps, il faut depuis dire. Depuis très longtemps, puisque c'est à la sortie de M. Matata, je pense, si je ne me trompe pas, qu'il s'est retrouvé directeur général de cette structure. Mmh. Et vous savez ce que c'est que le FPI. Le FPI, c'est juste parce que c'est un service de l'État, mais techniquement, c'est pratiquement une banque. Dans les faits, c'est pratiquement une banque. Parce que les crédits que l'on octroie, les opérations qui s'y font, c'est un fonds. Ces prêts qui sont octroyés auraient dû servir à promouvoir l'investissement dans notre pays. Mais lorsque le scandale, ce que j'ai appelé le FPI Gate, est arrivé, on a étalé la liste de tous les bénéficiaires. Pas d'entrepreneurs. C'était des politiciens, des copines, des cousins, des beaux-pères, des beaux-parents, des grands-pères. C'est compliqué. Et c'est grave parce que toutes ces personnes
ont constitué un cercle compact en connivence avec le monde politique comme toujours. Non, je savais que s'il y a une chose que moi je plaide, j'ai pitié du peuple auquel j'appartiens. Le Congo n'est pas un pays dur à gérer. Non, il y a des pays difficiles à gérer. Que l'on vous place dans un pays comme l'Égypte où il n'y a que du désert, sauf une petite bande du Nil, là, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose de difficile à gérer. Que l'on vous place, dans un pays comme Israël, où vous êtes entouré par des voisins qui sont à 100% des pays musulmans et contre vous, ça c'est un pays difficile à gérer. Mais que l'on vous place dans un pays tel que la République démocratique du Congo, ce n'est pas le pays qui est difficile à gérer, ce sont les hommes qui sont difficiles à gérer. Et ces hommes sont difficiles à gérer parce que le système est faible. Le système est fort, le système est intelligent. Mais c'est ce que vous prêchez d'ailleurs d'habitude. Oui, on se bat. Ce combat-là, il faut le continuer parce que ça portera ses fruits un jour. Vous avez été aux États-Unis, moi j'ai un livre, on m'a envoyé un livre le matin. Oui. Ce livre, ça s'intitule « Le monde vu par le monde en 2040 vu par la CIA ». Et quand j'essaie de voir ce que c'est que représente la CIA, je me rends compte que les États-Unis ont toutes les raisons pour être une puissance mondiale. Je me rends compte qu'ils ont la raison de l'être. Non, ça, parce qu'ils ont un ensemble d'experts, des hommes et des femmes intelligents dévoués à la cause de l'Amérique, à la cause de la puissance de l'Amérique. Ça fait aussi longtemps que je fais des recherches sur ce pays. Ouais. Parce que pour moi, l'idéal du développement de ce pays doit être imité par le nôtre. Je ne crois pas au développement de la Chine, des Occidentaux, des Orientaux, parce que je sais que c'est une base, ce sont des pays qui font du bruit, qui font des bruits de bottes, mais lorsque l'on regarde la répartition des richesses au sein de la population, vous sentez qu'il y a une grosse cassure, même en Chine. C'est vrai qu'on fait, en Chine, on sent bien que, alors que à la différence du monde occidental et techniquement aux États-Unis ou au Canada, on voit bien qu'il y a une politique entrepreneuriale plus élevée. Et voilà la conséquence. Mais revenons sur le dossier que vous avez soulevé. Les informations, la CIA publie de toute façon beaucoup qui sont mises à disposition du public, des informations qui parlent des perspectives du monde. Et ce n'est pas que ça, même le département d'État aussi publie de temps à autre, comme les Nations Unies le font. Tous ces grands services ont une vision à long terme du monde. Mais pourquoi nous ne tirons pas profit de ces informations? Le problème, ce n'est pas ces publications. Lorsque vous les lisez, vous-même, vous avez compris, en tant que journaliste, vous avez compris quels sont les enjeux de demain. Les guerres que nous avons aujourd'hui, les situations que nous avons aujourd'hui, sont en partie tirées des anciens rapports de ces pays qui voyaient le monde, qui voyaient les futures guerres. Et nous ne sommes pas en marge de cela. Nous sommes supposés anticiper. Nous faisons de la politique journalière, de la même façon que la population vit au jour le jour, nos politiciens font de la politique journalière. Pas d'anticipation. Prospectif. Je suis désolé, les pères de la... Je donne l'exemple de monsieur, du docteur Tchiani avec sa congolité, tout ça, bon, enfin, père et mère, tout ça. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Parce que je considère que ce sont des débats sociaux. Le Congo a déjà dépassé, vu de l'extérieur, le Congo a des enjeux beaucoup plus importants que ce genre de débat. Parce que la question, je reviens encore sur la question des finances publiques. Lorsque l'on a un service de l'État qui fait des dénonciations comme le fait l'IGF, avec toute la gravité des choses, l'on devrait se rendre compte que, relativement aux années que je citais, les années Matata et consorts, remontons dans l'histoire. Voyons comment ces 5 années se sont passées. Alors, ce qui est vrai, les années Matata sont des années Matata en réalité. Alors, maintenant, dans le fait, revenons. En tant que juriste, je veux dire, en tant qu'avocat, en tant que connaisseur, vous avez appris le droit. Oui.
quel est le régime, le vrai régime pénal de Matata Mponyo? Parce que là, il est placé sous résidence dans... Oui, c'est un mandat d'arrêt provisoire. Oui, provisoire. Oui. Ce qu'on appelle le MAP. Oui. Oui, mais après, pourquoi n'est-il pas en prison? Pourquoi lui, il est en résidence surveillée? Bon, le Congo souffre déjà de deux choses. Le privilège de juridiction et le privilège de poursuite. Et au-delà de tout, oui. Le privilège politique. Politique. Que l'on ne comprendra jamais. Et ça, je suis absolument révolté. Parce que le Congo me donne l'impression que nous honorons ceux qui nous font mal. Et pas plus tard qu'à plus, de temps à autre, lorsque je passe à vos émissions, je reçois certains appels, mais écoutez, vous critiquez, ce n'est pas bien, ainsi de suite. Ce n'est pas moi qui vous critique. C'est le pays que vous gérez qui vous critique. Lorsque vous regardez l'infrastructure de ce pays, lorsque vous regardez la manière... On ne peut pas s'affirmer leader politique lorsque les conséquences ne sont pas visibles sur le peuple que vous dirigez. Je suis désolé, vous pouvez tout dire, quel qu'en soit le niveau de déclaration, des discours parfaitement élaborés. J'ai fait des discours pour des hommes politiques, j'en ai fait. J'ai travaillé en tant qu'expert dans beaucoup de choses. Je sais que l'on aime embellir certaines choses. C'est même ça l'idéal pour un politicien. Mais je continue à croire que l'on ne peut pas avoir comme référence les petites acclamations d'une dizaine ou d'une vingtaine de personnes qui sont autour de vous. Pourquoi? Je vous donne un exemple très simple. La liaison entre Est et Ouest de notre pays aurait dû être une priorité depuis longtemps. Regardez le circuit alimentaire de notre pays. Observez le circuit alimentaire de notre pays. Depuis tout ce temps, où l'on parle de la nutrition de la population. Il y a une loi, je pense, qui a été promulguée en 2016, sous le régime de Kabila, sur les principes fondamentaux de l'alimentation, de l'agriculture, pardon. Mais aucune mesure d'application. Je suis tombé sur ça dans mes recherches, comme par hasard, je me dis, mais écoutez, cette loi existe. Mais pourtant, nous avons Ibu Kangalonzo. Pourtant, le même qui disait avoir été consultant pour un chef d'État étranger dont je citais le nom, a décidé de venir affronter la justice ici, tout fièrement. C'est cette ruse, c'est cette malice de dire en public une chose et qu'en privé, on se retrouve devant une situation où on est incapable de justifier les chiffres que l'on a eu à faire pour la dépense publique. Vous avez effectué des décaissements pour le compte du Trésor. Vous avez des projets que vous avez gérés. Vous avez des services que vous avez gérés sous votre tutelle. Vous avez tous les moyens de l'État qui étaient mis à votre disposition, soi-disant pour nous amener vers ce qu'on a appelé la révolution de la modernité. Moi, je pose la question, elle est où cette modernité? Est-ce que vous jugez, est-ce que vous n'êtes pas trop sévère avec Matata Mponyo? Je suis sévère envers tout celui qui a géré la chose publique. D'ailleurs, c'est le comportement qu'un Congolais doit avoir. On ne peut pas être tendre avec un politicien. Même moi, si demain ou après-demain, Dieu me faisait grâce de gérer la chose publique, je n'attends pas que l'on soit doux et tendre envers moi. Mais est-ce que Matata Mponyo incarne la prédation dans sa gestion? Il n'incarne pas, il est un des ténors dans l'histoire de notre pays, on retiendra cette époque. On retiendra parce que le fait d'avoir observé lui, autant que beaucoup d'autres qui l'ont précédé, qui, même pour certains, l'ont succédé, l'on peut bien comprendre, c'est que le pays est devenu avec l'échantillon. Je vous rappelle ici que je le tiens des déclarations dans les médias, de l'inspecteur général de finances, chef de service, qui dit que ce n'est qu'une partie des rapports que nous mettons à disposition du public. Ce n'est qu'une partie. Donc il y a d'autres qui n'ont pas encore été mis à notre disposition, mais que nous attendons de lire. Parce que d'ailleurs, l'inspection a promis que sur le site internet de ce service, nous pourrons consulter les rapports, nous allons les analyser, nous allons les décortiquer, le commun des mortels verra. Et moi, j'attends la publication avec impatience pour exploiter cela. Parce qu'il faut arriver à ce que l'on a à bannir du droit à une élection
à l'éligibilité certains hommes politiques, et beaucoup d'ailleurs. Un peu comme on a fait avec Caméré. Je ne sais pas si Monsieur Caméré est dans cette catégorie, parce que lui, c'est une condamnation judiciaire qu'il a mis dans l'état où il se trouve. Oui, et puis après, il y a une traduction qui touche son oui, mais nonobstant le militantisme que je vois de son parti, un parti politique, ce n'est pas l'UNC, ce n'est pas Vital Caméré. Voilà, il peut en être président. Je regrette, mais je pense qu'il y a beaucoup des leaders au sein de l'UNC, certains qui sont aussi des amis que je connais, qui sont capables d'assurer la gestion d'un parti. Moi, je ne vois pas, je voudrais qu'on sorte de ce carcan de dire, ben écoutez, puisque on regarde l'UNC, on voit Vital Caméré, quand on regarde le MLC, on voit Jean-Pierre Bemba. Non, cette manière de personnifier, caricaturer en une seule personne les partis politiques doit s'arrêter dans le pays. Comment voyez-vous les sénats congolais et tous ces sénateurs qui, généralement, se cachent derrière les immunités à titre institutionnel, les sénats existent. Mais en faisant une analyse politique, je ne pense pas que nous ayons un sénat. Est-ce que vous pensez qu'il faut le supprimer? Je pense qu'il faut tout simplement mettre fin à cette multiplicité d'institutions. Je dois vous dire que, sauf la relecture de certaines lois avant leur publication, je ne vois pas tellement l'importance de notre Sénat. Puisque de toute façon, tout le débat se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et même quand il y a conflit, c'est toujours l'Assemblée qui l'emporte. Presque toujours l'Assemblée qui l'emporte, et le Sénat n'a pour éloge que d'avoir à sa tête la personne qui est successible après le chef de l'État. C'est à ce niveau-là que l'on peut placer le Sénat. Alors qu'on peut bien élaguer toute cette centaine d'individus qui d'ailleurs sont susceptibles de poursuites, pour la plupart, parce que le Sénat, il faut le dire, est rempli de tous ces mandataires qui, anticipant les risques d'un changement de régime, on préférait se réfugier là-bas. Alors, Maître Oumba, on va terminer ces débats, mais avant de le terminer, deux petites questions qui vont tourner l'une autour de marché public. Comment ça s'organise en RDC? Quelles sont, c'est quoi l'importance? Parce que généralement, on entend des choses comme de gré à gré, il faudrait qu'on puisse nous le dire. Et la deuxième question, va tourner autour de la 4e République, que moi j'appelle de tout feu et de tout cœur, mais d'abord un débat fondamental en avant. D'abord, les marchés publics, comment vous le concevez? Comment il est perçu en République démocratique du Congo? Bon, en termes de loi, je dois dire que je connais plus ou moins bien cette loi, parce que j'ai été quand même très impliqué là-dedans. L'idée, c'était de raffiner notre commande publique, hein, parce qu'il faut dire que c'est quoi les marchés publics. Ça, c'est pour les téléspectateurs qui nous suivent. Chaque fois que l'État veut acquérir des biens ou des services ou veut procéder à des travaux, on ne donne pas pour le compte de l'État un marché selon les affinités que l'on a entre M. Oumba et M. Bossembe. Que nous ayons les meilleures relations du monde, je ne peux pas, si je suis détenteur d'un mandat public, je ne peux pas vous donner un marché gratuitement comme ça. Vous devez démontrer que vous avez les capacités techniques et les capacités financières de réaliser le marché que je veux vous octroyer. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a créé une loi qui sépare les marchés publics, donc la passation des marchés publics, je vous disais tantôt, et la délégation des services publics. Donc, si vous lisez la loi d'avril 2010, 10/010, je pense, sur les marchés publics, on définit ça. L'État peut dire, je passe le marché, vous exécutez pour moi et vous me le rendez, un peu comme les anglophones diraient build, offer and transfer, ou, donc les contrats BOT,
où vous faites de la délégation de service public, vous dites, écoutez, je prends mon bien, je vous le donne, vous gérez pour moi, et nous partageons les bénéfices. C'est ça la délégation de service public. En envoyant mes hommes aussi, en envoyant quelques... Oui, ça veut dire que ça fera partie de nos accords. D'accord. Je peux dire, écoutez, vous gérez mon bien, mais vous serez surveillé par des commissaires aux comptes que moi je vais nommer. Ce sont nos accords, ça peut arriver. Et donc en conséquence, les marchés publics, c'est ça. C'est-à-dire d'un côté, vous avez cette passation, la passation peut se faire par appel d'offres, peut se faire par gré à gré, ok, ou par manifestation d'intérêt. Puisque les marchés, il y en a de plusieurs catégories, mais la RDC en a retenu trois. Il y a le marché des travaux, fournitures et les prestations intellectuelles. La Banque mondiale a ajouté les services, mais nous appelons ça prestations intellectuelles. Okay. Alors, comment on les passe? C'est par rapport à des seuils. Quand il y a des travaux qui dépassent 250 millions de dollars, vous devez faire un appel d'offres international. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas qu'impliquer des fournisseurs locaux. Vous devez appeler d'autres, des investisseurs à travers le monde. OK. Là, quand vous faites, quand vous avez un seuil de 100 millions, je crois, 250 millions, excusez-moi pour les téléspectateurs qui vont vérifier, les chiffres peuvent les seuils peuvent m'échapper. Je n'ai pas, tous les chiffres parfaitement en tête, mais vous allez passer sous la deuxième catégorie à l'appel d'offres national. C'est-à-dire que là, vous ne restreignez l'appel d'offres aux investisseurs qui travaillent au Congo, qui ont leur siège au Congo. Okay. Alors, le gré à gré? Le gré à gré, c'est un marché particulier. Ça veut dire, c'est un marché qui se fait comme je vous ai expliqué. Je connais Christian, je connais ses capacités, je voudrais que vous puissiez travailler pour le compte de l'État dans tel projet. Mais il y a un seuil. Mais seulement que, non, dans le gré à gré, le seuil n'est pas, ce n'est pas le critère. D'accord. Le critère, c'est l'urgence et le monopole de la connaissance, essentiellement. Il y a d'autres conditions, mais essentiellement, c'est lorsqu'il y a urgence. On peut s'octroyer, mais il faut justifier de l'urgence. L'urgence, dans le cadre du droit des marchés publics, se détermine lorsqu'il y a un cas qui était imprévisible. Je vous donne un exemple d'imprévisibilité. Encore qu'on puisse l'appeler comme ça, je vous donne l'exemple de l'éruption de Nyiragongo. Mais il faut dire que dans ce cas-là, les juristes débattent de cette question parce Ça reste un ouvre un débat. Ou alors, comme on est à l'Assemblée nationale, il y a un phénomène d'érosion qu'on n'a pas prévu. Pouf, ça détruit. Voilà, l'État peut recourir au gré à gré. À un gré à gré avec un fournisseur de services dont on connaît les mérites, qui a déjà une expérience avérée en la matière. On dit, comme vous, nous sommes dans l'urgence, nous n'avons pas le temps de faire une passation de marché de type appel d'offres, nous allons procéder à votre recrutement de gré à gré pour que vous exécutiez ce travail. Donc, si aujourd'hui, le stade de martyr s'écroule, comme ça, de façon imprévisible, on va passer à gré à gré. Non. Quand on parle de l'urgence, c'est même sur ce point que j'allais ajouter une petite appendice. L'urgence, c'est dans la nécessité où il y a une catastrophe imminente. Ce n'est pas la destruction d'un bâtiment. La destruction d'un bâtiment n'est pas... Reconstruire les stades des martyrs à quoi comme urgence? Puisque la finalité, c'est quoi? Ok. Ah d'accord. Donc, il faut voir tout ça comme ça. Il y a des paramètres pour ça. Deuxième critère que les gens aussi ignorent, c'est le monopole. Vous prenez un exemple, je vous donne un exemple... comme j'aime bien citer nos amis aux États-Unis, vous avez ces derniers temps une société qui s'appelle SpaceX, qui est fournisseur des services auprès de la NASA. Bon, prenons l'exemple que le Congo veut lancer sa première, on va dire sa première fusée dans l'espace. Nous savons très bien que sur le territoire national congolais, il n'y a aucune entreprise qui ait la technologie de la société SpaceX pour lancer ce genre de projet. Là, parce qu'ils ont le monopole, on va les appeler. On les appelle directement. On n'a pas besoin de passer du marché, puisque qui va rendre ce service? Nous avons besoin d'une technologie, d'une fusée qui soit capable de mettre notre satellite en orbite et revenir en entier. Il n'y a que, sur toute la Terre, il n'y a que cette société qui est capable de rendre ce service. Je vous donne un autre exemple. Nous avons le vaccin Pfizer. Je donne un exemple. Je ne fais pas la publicité ici. D'accord. Mais ce vaccin n'est produit que par cette entreprise.
Vous voulez faire une reproduction de ce vaccin au niveau local. Mais vous êtes obligé de signer avec cette société. Parce qu'elle est la seule à avoir fabriqué la molécule qui a généré ce vaccin. Donc, en d'autres termes, il y a monopole dans ce cas et personne ne va contester le gré à gré. Mais mis hors ces conditions, je suis désolé, on ne peut pas recourir à ça. Alors, comment Matata, les autres premiers ministres, Vital Kamerhe et les autres, bref, comment les gouvernements congolais ont toujours géré cette affaire? Ils gèrent ça en faisant tout, en faisant passer tout et n'importe quoi, en créant toutes les circonstances pour que l'on ait l'impression qu'il y a urgence, qu'il y a nécessité. Quand vous avez négligé un processus, prenons l'exemple, un exemple simple. Nous avons des procédures, un processus électoral qui est quinquennal, donc 5 ans. Vous savez que vous avez des élections à effectuer, à organiser dans 5 ans. Prenons l'exemple en 2023. Mais sans qu'il n'y ait de justification valable, vous ne vous y penchez pas. On se retrouve en 2022, en décembre, il n'y a rien qui est fait. On entre en 2023, vous dites il y a urgence. Nous devons recourir au gré à gré parce que il y a urgence, vous savez, on doit organiser les élections dans très peu de temps. Donc c'est une situation que vous avez créée. Vous avez créé, vous saviez que ça ne, en arrivant à telle date, ça, nous serions hors délai. C'était prémédité. C'était prémédité, c'est ça le mot. Et donc la préméditation voulue de ce genre de situation, c'est ce que nos politiciens ont développé comme pratique avec le temps. Faire en sorte de prévoir, et il y a des gens, il y a des messes noires qui se font pour étudier la manière dont on peut, pour certains marchés, créer les circonstances de cette urgence et faire en sorte que, avec le temps, l'on puisse se retrouver obligé de faire aux yeux du public du gré à gré. Maître Oumba, la 4e République pour terminer. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'il est temps pour une 4e République. Je suis d'accord avec cette idée. Pourquoi? Parce que, un, la Constitution de 2006 a déjà montré ses limites. C'est une Constitution de partage, de satisfaction et de consensus. De compromission parfois. De compromission politique. Il fallait trouver une place pour la foule des belligérants qui avaient mis à sac la paix et la sécurité nationale. Il fallait trouver à tout le monde une plateforme voulue en politique pour que tout le monde se dise « j'ai quelque chose ». Le Congo, j'ai toujours aimé la caricature qu'on a fait du Congo à une époque. C'était comme un éléphant mort. Et tout le monde venait couper un morceau. Oui. Mais dans cet éléphant-là, la part de la population n'a jamais été découpée. La population, ce qu'elle a reçu, ce sont les ossements de cet éléphant. Donc, en somme, nous avons découpé le pays politiquement pour satisfaire les bouches de certains d'entre nous. Une infime partie de la population. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la 4e République sera et émanera de la constitution du peuple. Comme les amis disent dans leur constitution, we the people of the United States. Nous, peuple congolais. Ce ne sera plus le nous politicien. Ce sera le nous de la femme marchande. Le nous du médecin qui cherche que sa condition. Le nous de l'ingénieur, du mécanicien qui dira, je suis congolais. Je définis mon état de telle et de telle autre manière. Alors, ce qui est bien dans tout ça, on va se lever pour terminer. Oui. Alors, vous êtes trop élancé. Non. On va essayer de faire un effort. D'accord. Alors, il faut dire déjà que nous allons travailler sur la question du manuel de la 4e République. C'est oui. Ça. Oui. Je vous enverrai les poches. Oui. Vous allez apporter oui. vos annotations. Oui. On en fera des débats. Je vous invite déjà à des grandes séances, des débats que nous allons organiser partout à travers le pays. Oui. Et en commençant d'abord par Kinshasa. Oui. Parce qu'il faut communiquer ça. En fait, pour que, exactement, qu'on ait le nous, peuple, il faut que le nous, peuple soit à l'origine même de la naissance de cette 4e République. Moi, je réagis en disant déjà que ce débat doit même précéder l'élaboration du document. Parce que la Constitution, cette fois-ci, doit le porteur de cette idée que vous êtes, que je salue d'ailleurs parce que je vous connais à titre personnel, je connais nos capacités, que je ne vais pas
Italie ici, parce que j'aime, je sais que vous êtes d'habitude modeste, mais il faut lancer le débat. Exact. Il faut qu'il y ait une plateforme où la souche, la vraie souche du peuple parle au nom de sa, en son nom propre, que ça ne passe plus par des gens qui apparaissent en période électorale et disparaissent 2 mois après, n'est-ce pas? C'est ça, je suis d'accord avec cette idée, je serais disposé à accompagner Congo Buzz dans les débats scientifiques qui vont tourner autour de cette conférence. Ça serait un grand plaisir. Mesdames, Mesdames et Messieurs, c'était un honneur de recevoir Maître Oumba Juvénal. Je vous retrouve avec le même plaisir, avec un nouveau numéro. Portez-vous bien, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les âmes. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique, Colis Booking qui travaille en partenariat avec La Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition. Expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Oh,